Salut à tous, donc aujourd'hui, petite vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée. Est-ce que les courtes périodes de repos entre les séries vont freiner la croissance musculaire? Donc les courtes périodes de repos, une minute, voire moins d'une minute entre les séries, sont populaires en salle. Et il est parfois suggéré que de courtes périodes de repos peuvent être bénéfiques car elles stimulent une plus grande augmentation des hormones anabolisantes circulantes par rapport à des périodes de repos plus longues. La réponse hormonale à l'exercice n'est pas liée à la croissance musculaire. L'augmentation est trop faible et courte pour avoir de l'importance. Par conséquent, on peut se demander si de courtes périodes de repos entre les séries sont effectivement meilleures ou pires pour la croissance musculaire. Une étude a comparé les effets d'une période de repos de 1 minute avec une période de repos de 5 minutes entre les séries sur la synthèse des protéines musculaires. Les sujets étaient des hommes entraînés à des fins récréatives. Tous les sujets ont exécuté 4 séries jusqu'à l'échec avec 75% de leur maximum d'une répétition, à la fois sur le squat mais également sur le leg extension. Le protocole de période de repos de 1 minute a entraîné une réduction de 13% du volume total d'entraînement et entraîné une diminution de 37% des taux de synthèse des protéines musculaires par rapport au protocole de repos de 5 minutes. Donc les périodes de repos courtes sont efficaces en termes de temps uniquement. Pour les personnes à la recherche d'entraînement rapide pour ne pas s'éterniser à la salle, utiliser des techniques d'intensification comme le superset, le biset, le giant set, etc. Cela va vous permettre une efficacité du temps et également du repos suffisant pour chaque muscle. Donc pour conclure, une période de repos de 1 minute entre les séries va entraîner une baisse des taux de synthèse des protéines musculaires par rapport à un repos plus long de 5 minutes. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans l'espace commentaire, je ferai une petite vidéo pour justement répondre à celles qui reviennent le plus souvent. Donc comme d'habitude, vous pouvez péter les pouces bleus, ça fait plaisir, vous pensez à vous abonner, je vous dis à bientôt, salut.